Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dossier de CAPES 2 mathématiques, session 2017, numéro 16. Thème, suite. L'exercice. Déterminer le sens de variation de la suite UN définie par U1 est égal à 1 et UN plus 1 est égal à UN sur racine carrée de UN au carré plus 1. Pour tout n supérieur ou égal à 1. Les réponses de trois élèves de terminale S. Premier élève. Je considère la fonction f de x est égale à x sur racine carrée de x au carré plus 1. Je calcule la dérivée de la fonction f et j'obtiens f' de x est égal à 1 sur x au carré plus 1, facteur de racine carrée de x carré plus 1. La fonction f' est clairement positive pour toutes les valeurs de x. J'en déduis que la fonction f est croissante et par conséquent que la suite un est croissante. Deuxième élève. À l'aide de ma calculatrice, j'ai calculé les premiers termes de la suite. J'ai obtenu u2 est égal à 0,71, u3 est égal à 0,58 et u4 est égal à 0,5. Je pense donc que la suite un est décroissante. Un plus 1 moins un est égal à un sur racine carrée de un au carré plus 1 moins un est égal à un moins un fois racine carrée de un au carré plus 1 sur racine carrée de un au carré plus 1. Je n'arrive pas à conclure. Troisième élève. J'ai calculé les premiers termes. U1 est égal à 1. U2 est égal à 1 sur racine carrée de 2. U3 est égal à 1 sur racine carrée de 3. Et U4 est égal à 1 sur racine carrée de 4. On voit que un est égal à 1 sur racine carrée de n. Pour tout entier n non nul, racine carrée de n inférieure ou égale à racine carrée de n plus 1. Par conséquent, 1 sur racine carrée de n plus 1 supérieure ou égale à 1 sur racine carrée de n. J'en déduis que la suite un est décroissante. Le travail à exposer devant le jury. Question 1. À partir d'une analyse des trois productions d'élèves, précisez une aide à apporter à chacun d'eux pour faire aboutir leur démarche. Bien, donc, première question, analyse des productions d'élèves, présentation du problème. Donc ici on a une suite définie par récurrence par u1 est égal à 1, un plus 1 est égal à un sur racine carrée de un carré plus 1. Et on veut étudier le sens de variation de la suite. Alors premier élève, donc il pose f de x est égal à x sur racine de x carré plus 1. Un plus 1 est égal à f de un en fait. Il calcule la dérivée, donc c'est une bonne dérivée. Et ensuite, il dit que f' est clairement positif. Donc, f est croissante et donc un est croissante. Donc ici, on ne peut pas utiliser le théorème de croissance des suites définies explicitement, car ici, c'est une suite définie par récurrence. Alors, on aurait pu retrouver formule par sa formule explicite, et comme l'a fait l'élève 3, bien entendu, et ensuite, étudier 1 sur racine de x et d'après la croissance ou la décroissance de cette fonction, on peut en déduire que la suite un est décroissante. Donc la suite n'est pas croissante, elle est décroissante. On pourrait, pour l'élève 1, lui faire calculer les premiers termes de la suite. Élève 2. À l'aide de ma calculatrice, j'ai calculé les premiers termes de la suite. Ok, donc ça c'est bien. C'est bon. Alors, pense donc que la suite un est décroissante. Donc ça c'est une bonne conjecture. Sauf que là il fait un plus 1 moins un et il ne trouve rien de spécial. Il n'arrive pas à conclure. Alors il faut lui rappeler que comment on étudie la variation de la suite un. Donc ici soit en un plus 1 moins un, on compare avec. Donc on donne le signe de un plus 1 moins un. Ou alors un plus 1 sur un et on compare à 1. Si un plus 1 sur un est inférieur à 1, alors la suite est décroissante. Si elle est supérieure à 1, alors elle est croissante. Élève 3, donc il a calculé les premiers termes de la suite et il en déduit que un est égal à 1 sur racine de n. Encore faut-il le montrer. Pour tout entier naturel n, racine de n inférieure ou égale à racine de n plus 1, par conséquent, 1 sur racine de n plus 1 supérieur ou égal à 1 sur racine de n. Sauf que ici, si on prend l'inverse, racine de n inférieure ou égale à racine de n plus 1. Et
comme l'inverse est décroissante, 1 sur racine de n est supérieur ou égal à 1 sur racine de n plus 1. Donc ici c'est 1 sur racine de n supérieur ou égal à 1 sur racine de n plus 1. Donc on en déduit que le un est décroissante. Donc ici, il manque la démonstration de la formule explicite et ici ce passage est incorrect. Conclusion, l'élève 1 étudie la fonction f, donc f de x est égal à x sur racine de x carré plus 1 correctement, donc il utilise cette fonction correctement, sauf qu'ici un plus 1 est égal à f de un et non un est égal à f de n, donc on ne peut pas utiliser le théorème décroissant d'une suite définie explicitement. La suite un n'est pas une suite croissante, donc il faudrait lui faire calculer les premiers termes. L'f2, la conjecture est bonne, mais il ne faut pas calculer un plus 1 moins un, mais plutôt un plus 1 sur un et le comparer à 1. Donc ici, on va faire une démonstration par récurrence. L'f3, il a donné une écriture explicite de la suite, mais il n'y a pas de démonstration. Et ici, racine de n inférieure à racine de n plus 1 implique que 1 sur racine de n plus 1 est inférieur à 1 sur racine de n. On échange les positions dans l'inégalité. Question 2. Présentez une correction de l'exercice telle que vous l'exposeriez devant une classe de terminale scientifique. Alors, présentation de la correction. Donc, on veut étudier le sens de variation de un égal à 1, un plus 1 est égal à un sur racine de un carré plus 1. Un supérieur ou égal à 1. Donc ici, première méthode, un plus 1 sur un. Un plus 1 sur un, c'est un sur racine carrée de un carré plus 1 sur un. Ou encore, un sur racine carrée de un carré plus 1 fois un. Les un disparaissent. On peut montrer que un est supérieur strict à 0. Donc ici, un strictement supérieur à 0. Donc ça, on va faire une démonstration par récurrence. Donc, initialisation. Alors bien entendu, on va noter soit n appartenant à n, on note Pn un supérieur strict à 0. Donc initialisation, U1 est égal à 1, donc il est supérieur à 0, donc c'est OK. En clarédité, on suppose que la propriété Pn est vraie pour un rang n supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que un est supérieur à 0. On démontre que la propriété Pn plus 1 est vraie. Donc ici, un plus 1. Donc on va dire un supérieur ou égal, supérieur strict à 0. Donc un plus 1, alors un carré strictement supérieur à 0. Un carré plus 1 strictement supérieur à 1. Et en racine carrée de un carré plus 1 strictement supérieur à racine de 1, donc 1. Parce que la fonction racine, elle est croissante sur R+. un supérieur à 0. Donc ces deux combinés. Un sur racine carrée de un carré plus 1 est strictement supérieur à 0. Donc ici, un plus 1, strictement supérieur à 0. Ainsi, la propriété Pn est héréditaire à partir du rang n supérieur ou égal à 1. Conclusion, la propriété P1 est vraie et la propriété Pn est héréditaire à partir du rang n supérieur ou égal à 1. Ainsi, un est strictement supérieur à 0 pour tout n supérieur ou égal à 1. Ici c'est étoile, donc n étoile. Donc pour n appartenant à une étoile, la propriété Pn, un supérieur à 0 est vraie. Ainsi, ici, 1 sur racine carrée de un carré plus 1. Donc là, on peut simplifier par un, bien entendu. Et racine carrée de un carré plus 1, eh bien ici, un supérieur à 0, un carré supérieur à 0, un carré plus 1 supérieur à 1, racine carrée de ça supérieur à 1. Donc ici, c'est supérieur à 1. 1 sur un nombre supérieur à 1 est inférieur à 1. Donc un plus 1 sur un inférieur à 1. Conclusion, ici,
en conclusion, un plus 1 sur un inférieur à 1, ça implique que un est décroissante. Donc un décroissante. Alors on va utiliser maintenant la proposition de l'élève 3. Donc l'élève 3 nous donnait un est égal à 1 sur racine de n. Donc l'élève 3 nous donnait un est égal à 1 sur racine de n. On sait que u1 est égal à 1, un plus 1 est égal à un sur racine de un carré plus 1. Avec n supérieur ou égal à 1. Donc on va noter donc tn, cette propriété. Donc soit n, bien entendu, soit n appartenant à n étoile. Tn, c'est un est égal à 1 sur racine de n. Donc on va noter. On va faire ça par récurrence. Initialisation, U1, c'est égal à 1. C'est égal à 1 sur 1. C'est égal à 1 sur racine de 1. Donc la propriété P1 est vraie. Donc hérédité. Donc on suppose que la propriété Tn est vraie à partir du rang n supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire que Un est égal à 1 sur racine de n. On démontre donc que la propriété Tn plus 1 est vraie. Si Un plus 1, c'est égal à Un sur racine de carré de un carré plus 1. Donc un c'est 1 sur racine de n sur racine de 1 sur n plus 1. Donc ici 1 sur racine de n sur racine de, donc on met au même dénominateur n sur n, n plus 1, n plus 1 sur n. Donc ici 1 sur racine de n sur racine de n plus 1. Donc, on peut simplifier par racine de n. N est supérieur à 1. Donc, 1 sur racine de n plus 1. Donc, n plus 1 est égal à 1 sur racine de n plus 1. Donc, la propriété tn. Alors, tn plus 1 est vrai. Tn est donc héréditaire. Héréditaire. Partir. À partir. Du rang. N supérieur ou égal à 1. Donc la propriété T1 est vraie et Tn est héréditaire à partir du rang n supérieur ou égal à 1. Donc pour tout n appartenant à n étoile, la propriété Tn est vraie, un est égal à 1 sur racine de n. Alors ici on a un, on a montré que un est 1 sur racine de n, c'est f de n. Avec f de x donc est égal à 1 sur racine de x. Racine de x, eh bien c'est x puissance 1 demi, donc 1 sur racine de x, c'est x puissance moins 1 demi. On dérive, donc on utilise la formule de la puissance, on met l'exposant devant x, x puissance moins 1 demi moins 1, moins 3 demi. Donc ici, moins 1 demi, 1 sur x puissance 3 demi, x puissance 1 demi c'est la racine carrée, donc x puissance racine carrée, donc racine carrée de x puissance 3. Moins 1 demi, 1 sur x puissance 3. Or, pour x supérieur ou égal à 0, donc ici, la dérivée, elle va être négative, car 1 demi, donc 1 sur racine carrée de x cube, est supérieur ou égal à 0, mais égal à moins, donc négatif. Donc la fonction f est décroissante sur r étoile, r étoile plus, donc un est décroissante. Donc un est décroissante. Bien entendu, on pourrait aussi utiliser racine de n inférieure ou égale à racine de n plus 1. Ça implique que 1 sur racine de n, on inverse le sens de l'inégalité, supérieur ou égal à 1 sur racine de n plus 1. Donc ici, un est décroissante. Donc ici, alors on va pouvoir vérifier la dérivée. Donc 1 sur racine de x. Voilà, graphe, voilà, vous voyez. Donc c'est clairement décroissant. Et si on met ici la dérivée, moins 1 sur
racine, donc moins 1/2 racine carrée de x au cube. Voilà. Donc on voit le graphe. Vous voyez, ici, la dérivée est négative, donc la fonction est décroissante. Ainsi, ce qui conclut donc notre exercice, UN donc est décroissante. Question 3. Proposez deux exercices sur le thème suite dont l'un fait intervenir un algorithme. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves. Donc ici, je vais vous proposer un exercice sur la suite qui va faire intervenir un algorithme de seuil que j'ai utilisé lors de mes cours particuliers. Et on verra dans cet exercice qu'on peut utiliser donc l'algorithme, mais aussi le calcul algébrique pour calculer donc une valeur telle que U indice quelque chose, donc U indice cette valeur est inférieur à un certain seuil, ici ce sera 1. Petite publicité pour mes ouvrages du CAPES de mathématiques disponibles sur cebumat.fr. Ce sont trois ouvrages qui traitent des différentes épreuves écrites et orales du CAPES de mathématiques. Le premier ouvrage est un ouvrage qui vous permettra de vous préparer pour les épreuves écrites du CAPES de mathématiques. Il reprend la formation du Master 2 enseignement que j'ai pu suivre en 2012 à l'Université des sciences et technologies de Lille. Le deuxième ouvrage est un recueil de leçons requis pour la première épreuve orale. C'est une proposition de plan et de contenu pour chaque leçon, la liste des leçons traitées et la liste proposée pour la session 2018. Le troisième ouvrage est un autre recueil pour la seconde épreuve orale. Il présente les dossiers depuis la session 2013 par thème, ce qui est bien pratique si vous voulez illustrer un dossier proposé à l'oral. Tous ces ouvrages sont disponibles gratuitement et librement sur mon blog de mathématiques, cbmath.fr, rubrique CAPES. Voici l'énoncé. Seuil à atteindre, source CVMAT, soit UN la suite définie pour tout entier naturel N par UN est égal à 10 puissance 99 fois 0,99 puissance N. A l'aide d'un algorithme, déterminez le plus petit entier naturel N0 tel que UN0 inférieur strict à 1. Donc ici, UN est égal à 10 puissance 99 fois 0,99 puissance N. Donc l'algorithme, on va déterminer U, donc le plus petit entier naturel N0, tel que UN0 inférieur à 1. Donc on va utiliser la calculatrice NUGMORX pour programmer un programme, donc ici un algorithme en langage Python. Alors Python, donc ici seuil. Alors, donc def, seuil. Voilà. Donc n égale à 0. Donc on va initialiser la variable n à 0. U est égal à 10 puissance 99. Et ensuite, on va faire une boucle while. Donc ici, hop, boucle while. Donc la condition, ça va être donc tant que U est supérieur strict à, donc supérieur ou égal à 1, alors on fait, donc on incrémente la variable n et on fait u est égal à 10 fois 99 fois, alors 10 puissance, vous voyez quand on fait puissance, donc puissance c'est 2 fois 99 fois 0,99 puissance n. Et donc on va retourner la variable n. Alors on va exécuter donc le programme seuil. Alors peut-être avant, pour voir si le programme fonctionne bien, on va ici mettre print n. On va voir si ça fonctionne. Voilà, seuil. Voilà, donc ici 22 682. Donc vous voyez les différentes valeurs de n qui s'incrémentent. Pas toutes, hein, mais. Et donc on arrive ici à 22 682. Alors on va déterminer algébriquement cette valeur avec la fonction logarithme. Donc ici un égale à 10
puissance 99 fois 0,99 puissance n, on veut inférieur à 1. Donc 10 puissance 99 fois 0,99 puissance n inférieur à 1. On va diviser par 10 puissance 99, c'est la valeur fixe dans la suite. Donc 1 sur 10 puissance 99. Et ici, on va utiliser la fonction logarithme de 0,99 puissance n inférieur, la fonction logarithme est croissante sur r, ln de 1 sur 10 puissance 99. Ainsi, logarithme de a puissance n, donc logarithme de a puissance n, c'est égal à n fois logarithme de a. Donc ici, n fois logarithme de 0,99 inférieur à ln de 1 sur 10 puissance 99. Donc on va pouvoir diviser par ln de 0,99, sauf que 0,99 étant inférieur à 1, ben ln de 0,99 est négatif. Donc il va falloir changer le signe de l'inégalité, donc n supérieur à ln de 1 sur 10 puissance 99 sur ln de 0,99. Donc n supérieur ou égal à, on va calculer ça sur la calculatrice, ln de 1 sur 10 puissance 99 divisé par ln de 0,99. Et on trouve 22 681,42, donc le petit entier naturel n0 tel que un0 inférieur à 1, eh bien ça va être n égal à 22 682, donc le plus petit entier naturel un0 inférieur à 1, donc ici n est égal à f0 est égal à 22 682. On peut vérifier ça avec la calculatrice. Donc si on fait 10 puissance 99, donc 10 puissance 99 fois 0,99 puissance 22 681, on va trouver 1,004, puissance 1,82, 0,99423. Donc le plus petit entier naturel inférieur à 1, c'est 22 682.